toi. Hein? Berger. Gagner 10 en retour. Donc, ça c'est. Ok, il est le. Bonsoir la famille. On va commencer, s'il vous plaît, désactiver les micros. Oui. Bonsoir la famille. J'espère que vous avez bien passé la journée. Comme aujourd'hui, c'est lundi, on ne trade pas compte tenu de la volatilité du marché. Moi-même, j'ai souffert avant de gagner cette position-là. Donc, c'est comme ça, ça se passe les lundis. Donc, si tu ne veux pas trop risquer, tu es obligé de quitter le marché. Et si tu veux même travailler les lundis seulement, je vous conseille de travailler sur le compte démo pour préserver votre compte réel. Donc, j'espère que vous allez bien. Peut-être comme c'est aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine, les leaders sont occupés, on ne va pas les entendre. Déjà à deux, à trois personnes, on peut faire ce qu'on doit faire la nuit là. Est-ce que vous m'attendez bien quand même? Oui, ça va pour moi. Oui, ça va. OK. Donc, qu'est-ce qu'on voulait... Notre routine pour pouvoir commencer le trade, on peut débuter comme ça. Vous voyez, l'option binaire, c'est le trade qui est le plus difficile. C'est pour cela que bon nombre de personnes, même sur YouTube, vous allez voir que les gens parlent de l'arnaque, que l'option binaire, ce sont des arnaques, parce que c'est un trade qui est tellement difficile et c'est tellement facile aussi si tu arrives à maîtriser. Donc, comment ça se passe? Il respecte certaines règles avant d'aller sur le marché. Donc, la première des choses, comme vous le savez tous, pour trader, il y a la concentration et il y a la patience aussi. Mais la concentration domine parce que si tu n'es pas concentré, des fois, on se réveille à un certain moment donné, tu vois que tu n'es pas concentré. Et tu veux aller trader sur le marché, ça serait tellement difficile. Ça serait tellement difficile. Tu n'es pas concentré, tu es sur le marché. Et même, ou bien tu es pressé pour aller quelque part, tu veux faire 30 minutes et tu es obligé, tu n'es pas patient, tu veux tout coûte coûte gagner avant d'aller là où tu veux. C'est ça qui fait cramer le compte et tu vas réduire le capital. Donc, le matin, comme ici, ce sont des paires de devises, ce sont des monnaies et les actions que nous tradons. Donc, on trade la plupart des monnaies. Donc, tu vas aller sur investi.com pour voir les annonces économiques. Donc, ça, tout le monde connaît ça. Et c'est la plateforme qui est super conseillée. Donc, investi.com, c'est ça ici. Donc, je clique sur ça. Je vais voir les annonces dans la journée pour voir. Donc, est-ce que vous connaissez comment interpréter ça? Ce sont les devises ici. Donc, les deux étoiles, il y a jour férié, non, en haut, heure, les devises, importance, événement actuel, la prévision du marché et les valeurs précédentes. Donc, ici, là, qu'est-ce qu'on... Nous, on ne tient pas compte des deux étoiles ou bien une étoile là, non. Ce sont les trois étoiles qui nous concerne, comme ceci, celui-ci, GBP. Vous voyez, non, tout ça, là, ça agit sur le marché. Donc, la première des choses, après avoir prié, et vous voyez que vous avez un temps pour trader, vous devez aller sur ce site-là, investi.com, pour voir quelles sont les devises qui contiennent les trois étoiles-là. Et vous devez voir l'heure précise. Vous voyez, non, ici, là, je vais voir que ça doit être aujourd'hui. Hein. Oui, c'est aujourd'hui ça. Donc, par exemple, on va aller sur demain, les annonces de demain. Déjà à 1h du matin, ça commence. Donc, à partir de ici, je peux t'aider tout. Mais maintenant, ici, vous voyez, non, à partir de 4h30 du matin. Ici, c'est GMT. Hein. GMT.
Donc, à partir du, c'est ça, GMT ici. Donc, à partir du 4h30, vous voyez, AUD présente 3 étoiles. Ça veut dire que l'annonce là va avoir impact sur le devise là. Donc, je ne dois plus trader les paires contenant AUD à partir de 4h30. Vous voyez, non? L'intervalle de temps là, je ne dois plus trader ça. Si je trade ici une heure jusqu'à ce que à 3h, je trade déjà, à 3h même, je dois arrêter de trader les AUD. Vous voyez, non? Vous devez noter ça quelque part aussi lorsque vous allez commencer par trader. C'est pour demain, ça, c'est l'annonce de demain. Maintenant, euro, 2 étoiles, ça n'a pas tellement d'importance. Vous pouvez trader, arriver encore en bas ici. 8h30, GBP. GBP, ça présente 3 étoiles. Donc, lorsque vous allez commencer par trader, arriver à 8 heures, vous ne devez plus prendre les paires ou bien les paires, oui, les devises contenant, les paires contenant les GBP. On va ici, on va essayer de regarder ici, monnaie ou bien monnaie. Oui. Donc, il y a les zéros ici, par exemple, GBP. Bien sûr que c'est 92%, mais je ne prends pas ça. Ça, autour des 8 heures comme ça. Parce que l'annonce là va avoir l'impact sur le marché. Ça va avoir impact sur le marché à 8 heures. Donc, je dois décrocher ça et commencer avec les autres. Donc, c'est 8 heures ça. 8h30. Maintenant, c'est comme ça qu'on fait. Donc, le matin, avant d'aller sur le marché, vous devez vérifier le calendrier là. Il y a pour 8 heures, demain ça, 8h30, c'est GBP. Vous défilez vers le bas. Donc, à partir de 9h, 10h comme ça peut revenir à la stabilité. Donc, vous pouvez trader ça. Il n'y a pas de souci. Donc, vous, quand l'annonce est à 8h30, par exemple, comme GBP là, déjà à 8h, j'arrête de trader les GBP. Maintenant, de 8h30, l'annonce va sortir. 9h, 10h, déjà à partir de 12h, ça serait encore stable et vous pouvez encore commencer par trader. Sinon, à intervalle de 8h30, 9h, 10h, vous allez voir que les stratégies que vous avez là, ça ne peut plus respecter ça. Donc, vous risquez de perdre votre capital. Donc, c'est ça. Maintenant, à 14h, il y a CAD, dollar canadien. Vous voyez, non, 3 étoiles. Donc, ici, déjà, à partir de 13h, 13h, vous devez arrêter de trader les CAD. 16h, il y a USDT même. Donc, USDT, déjà, à partir de 15h30, 30 minutes avant quoi. Donc, vous devez arrêter de trader les USDT. Les USD, ici, ce n'est pas crypto-monnaie, c'est dollar américain. Donc, USD, vous devez arrêter de trader ça. Et c'est fini ça. Ça veut dire que les autres, donc ce sont des grandes, ce sont les annonces économiques de demain qu'on vient de voir. Donc, en résumé, 4 heures, vous ne devez pas trader les AUD. Ici, à 4 heures, après 8h30, les GBP, vous ne devez pas les trader. Et maintenant, à 14 heures, vous devez éviter aussi de trader les CAD. Dollar canadien, les paires contenant les CAD. Ah, et excusez-moi. Et à 15h30, déjà à 15h30, vous devez éviter de trader aussi les USDT, les USD. Ah, c'est ça. Et à partir de 18h, vous pouvez maintenant 23h, les AU2, c'est 2 étoiles, 2 étoiles. Il n'y a pas de souci. 23h, c'est quand il y a JPY, vous pouvez les trader. Donc, c'est ça. Donc, ici, vous voyez, non. 1 étoile, faible volatilité attendue. 2 étoiles ici, volatilité moyenne attendue. Et 3 étoiles maintenant, c'est forte volatilité attendue. Donc, ça veut dire que si la devise contient 3 étoiles, vous ne devez plus trader ça à la date qu'ils ont indiquée ici, 30 minutes avant et même 2 heures après. Donc, c'est ça qui est conseillé. Donc, la première des choses, c'est ce que vous devez faire. Hein? Est-ce qu'il y a une question à ce niveau? Parce qu'on va aller à l'étape suivante. Ok, moi ça va. Ah, ça va.
Donc, la deuxième des choses, donc vous venez, vous allez essayer de, comme on avait fait ça auparavant, on va décocher et à la fin de chaque trade, on essaie de décocher tout ce que nous avions tracé et les devises que nous avions tradées. Donc, le lendemain, vous venez maintenant, vous allez essayer de cocher les devises supérieures ou égales à 90%, au côté monnaie et les actions. Donc, on vient cliquer sur monnaie et on sélectionne les devises supérieures ou égales à 92%. Ça ici et les actions aussi supérieures ou égales à 92%. Je vais les prendre comme ça. Ça c'est aussi ci-dessus. Maintenant c'est bon. Donc les devises que je vais trader, ça se présente en haut ici. Mais ce n'est pas tout que je vais trader parce que je vais essayer de les étudier un à un. Quand je prends le premier par exemple, ici la connexion flotte un peu. Quand je prends le premier, je vais aller à NH1. À NH1, je vois que c'est le rouge qui est en haut. Ça veut dire que la tendance, il y a un croisement ici. Donc ça peut descendre un peu. Mais je vais à NH1, je peux dessiner les deux traits, résistance et support. Déjà, deux points. Je peux essayer de ici là. Ça fait, je peux tracer ça. Avec la ligne horizontale, je viens en haut ici. Le marché est venu ici, ça a retourné. C'est venu quelque part ici, ça a retourné. Et à ce niveau aussi, le marché, il a cassé la résistance ici. Ça vient recasser ici. Donc, les deux cassures, ça prouve que la résistance là n'est pas forte à ce niveau. Parce qu'il est venu tenter ici une seule fois. Donc, deuxième fois, il est obligé de casser. Donc, on va aller ici. OK, il y a quelque part ici. C'est venu positionner ici. Donc, ça veut dire que la résistance là, ça devient support ici. Mais ce n'est pas fort. Vous voyez, non, ce n'est pas fort. Ce n'est pas fort. Donc, le marché là, en H1, ça ne présente pas grand chose. Je vais aller en H15 voir. H1, H15, M15, c'est pas H15, c'est M15, 15 minutes. Donc, je viens ici, je vais essayer de... Tout ça là se fait en démo, se fait en démo d'abord. Donc, ici aussi, le marché ne présente pas grand chose. Donc, je suis obligé de laisser ça carrément. Et je viens ici, ça fait 86%. Je vais laisser le marché là. Je viens sur Pufezer OTC. La connexion essaie de bugger un peu, mais on va essayer d'apprendre beaucoup de choses la nuit, là, même si c'est 20 minutes qu'on fait. Donc, ce deuxième marché, ça, on va essayer de supprimer les résistances et supports. Donc, ici, on voit que le marché, c'est en H1, ça. Le marché est venu ici, il a retesté et il est reparti. Donc, ici, c'est support. Je peux tracer ça et c'est vérifié. Je vais tracer les lignes de support ici. Comme ça, c'est vérifié. Et en haut même, comme c'est en H1, c'est petit, mais on voit ici, là, ça vient tester, ça repart. Ici, ça vient comme ça, ça redescend. Comme ça, jusqu'à venir ici. Ici, il a cassé, mais elle est venue encore ici. Vous voyez, ça n'a pas cassé. Ça a touché la résistance et c'est encore de descendre. Donc ici, on peut bien conserver la partie là. Et si on vient, on va défiler un peu en arrière. Nous allons voir que c'est la même chose ici. Le marché vient toucher la résistance et c'est redescendu. Donc le support n'est pas fort ici, mais la résistance est un peu forte. Donc on peut considérer la résistance ici. Si on voit les deux moyens mobiles, vous voyez, non, il y a un petit croisement. Le rouge est en train de monter. Donc, forcément, le marché peut venir sur le support avant de remonter. C'est possible. On va aller à
Même 15. À Nem 15, ça se fait bien voir. Vous voyez, donc, il y a la résistance ici, la résistance ici, la résistance ici, et ici aussi la résistance. C'est en ce lieu qu'il y a un peu de débordement. Mais pourquoi on ne va pas trader le marché là? Vous voyez, non, c'est en range. C'est en range. Il n'y a pas une tendance ici. On va voir que c'est tendance haussière ou bien baissière. En H1 aussi, on ne voit pas clair la tendance. Donc, nous sommes obligés de laisser ça. Ah, ici, c'est l'argent qui parle. Vous voyez, non, c'est en range. Ça, c'est une heure. Regarde la forme d'une bougie en une heure. C'est trop petit. Donc, on ne peut pas trader ça. Tu risques de perdre ton capital. C'est en range. Donc, tu ne peux pas trader. Et en M15 même, en M15, notre moyen mobile qui est en bas nous indique, vous voyez, non, ici, non, c'est en range. Il n'y a rien ici. Donc, nous sommes obligés de, il n'y a rien ici. Donc, nous sommes obligés de laisser le marché là. Pour trader le marché, vraiment, on doit trader sur une tendance et qu'il y a l'écart entre les deux moyens mobiles. Vous voyez, non. Mais ici, c'est en range. Donc, on laisse le marché là même. On peut quitter ça là aussi. On peut quitter. Vous voyez, non. S'il n'y a pas assez de confirmation sur le marché même, le taux même, ça descend en même temps. Donc, ici aussi, on peut supprimer ça et on vient. Donc, c'est le travail là que vous devez faire premièrement. Ici aussi, c'est en range. Ici aussi, c'est en range. On ne trade pas. Souvent, les lundis, c'est ce que le marché fait. Donc, on ne peut pas refuser. Ici aussi, c'est en range. C'est en range. Parce que ici, là, quand tu vas te concentrer, qu'après le croisement, tu prends position, tu vas perdre ton argent. Vous voyez la partie là? C'est la tendance haussière. Vous voyez, non? Ici, on peut trader. La partie là, on peut trader. Mais ici, là, c'est en range. On dit que ça est en train de faire la correction. Donc, on ne peut pas trader la partie là aussi. On ne peut pas trader. Tu peux tracer le support, résistance, tout ça là, mais trader, non. Non, on va quitter le marché là aussi. Mais je vais supprimer les trades. On va quitter Intel OTC. On vient. Donc, c'est la deuxième chose que nous sommes en train de faire. Ici aussi, c'est en range. Parce que à ce niveau-là, vraiment, on va aller en H1 voir. Ouais, non. Ici, c'est en H1. Le figure en H1. Je vais supprimer les lignes. Donc, c'est ça. C'est en H1. Ça, là aussi, c'est en range. On ne peut pas trader ça. On ne peut pas trader. Cette partie-là, c'est la tendance haussière. Ici, c'est haussière. Ici, là même, là, c'est baissière. Là, ce côté-là, c'est bon. Vous allez voir qu'il y a croisement ici. Il y a croisement ici. Et croisement là même. Si on va aller en M15, voir. Parce que là-bas, c'est en H1. Les croisements en H1 ne nous disent rien. Il y a aussi une personne qui est venue. Ici, c'est en M15. Nous-mêmes, nous tradons en M5, mais c'est H1, M15, M30 qui va nous donner la confirmation. Et maintenant, en M5, maintenant, ce sont les positions seulement que nous allons prendre pour mieux maîtriser le marché. Ici, quelqu'un peut essayer de risquer. Hein? Quelqu'un peut essayer de risquer, mais c'est 50-50. À la clôture de cette bougie-là, il peut essayer parce qu'il y a un rare croisement ici. Donc, il peut essayer de prendre la position en achat. Mais ce n'est pas ce que nous donnons dans la formation. Vous voyez, non. Donc, il y a un peu de croisement ici. Mais le marché est en range. Le marché est en range. La tendance tend vers la. Vous voyez, non. Quand je vais tracer. Oh, non. Je prends ligne de tendance. Vous voyez, je vais tracer. Je prends le plus haut. Je prends le plus bas ici. Donc, ça tend vers le bas. Ça tend vers le bas. Donc, la tendance tend, et on va aller en M30, par exemple, pour voir.
Tu dois être sûr du marché avant de commencer par. Hein. Donc, ça tend vers la. OK. C'est en M30, ça. Il n'y a pas croisement en M30. Et en M15 aussi, il n'y a pas. On va vérifier ça ensemble. Donc, c'est la patience. C'est la patience. Des fois, tu peux avoir la chance. Et lorsque tu vas aller sur le marché, tu prends les devises seulement. Première paire de devises, tu vas voir que la tendance va se vérifier et tu peux commencer par trader. Donc ici, c'est en M15, en M5. Donc c'est ici que nous devons prendre notre trade. Mais vous voyez, comme il n'y a pas croisement ici, la tendance est haussière. C'est ce que M5 nous dit. Mais les autres, on voit que nous-mêmes, avec notre propre yeux, on voit que ça tend vers le bas. Ça tend vers le bas. Donc, il devait avoir forcément un croisement ici avant de commencer par prendre la position. Donc, c'est ça. Nous, par exemple, on vient en H1. Si la tendance se vérifie en H1 là, vous avez la forte probabilité que le trade que vous allez faire, ça serait gagnant. Mais si c'est en range, en H1 et en M15, et que c'est en M5 que vous voyez la tendance vraiment, c'est 50-50, ça peut ne pas marcher. Donc ici, c'est en range. On laisse le marché là. On laisse ça comme ça. Ah. C'est bon. Donc ici, là, on voit que le marché. Ça a monté ici. Et c'est bien vérifié. Vous voyez l'écart, non? C'est ce que je dis. Vous voyez l'écart ici. Donc, arrivé à un moment donné, ici c'est en H1, non? En H1. Je vais essayer de tracer notre ligne de support. Ça vient normalement, c'est quelque part ici. Hein? Mais ça a cassé, c'est venu jusqu'en haut. Je vais aller en H4 voir. OK. Donc, le support, il y a un en H4. C'est ça ici. Très bien. Très bien. Maintenant, on vient en bas. En H1. Notre ligne de résistance, on va Ah, c'est ça, c'est notre ligne de support en bas et ligne de résistance. Ce sont les deux, vous voyez. Première tendance ici, c'est venu ici, c'est rabaissé. Donc, lorsque le zigzag va travailler maintenant, il va monter comme ça, descendre comme ça. Et deuxième est encore allé plus haut. Donc, ça, c'est la correction. Donc, ici, on peut gagner la partie là. On peut gagner la partie là. La partie là aussi, on peut gagner. Ici, la correction aussi, c'est justifié. OK, on va aller en M15 aussi. Il y a déjà croisement en M15. Il y a déjà croisement en M15. On va aller en M5. Vous voyez, il y a déjà croisement aussi. OK. Déjà en M5, on voit que jusqu'ici, là, le marché est monté. Croisement, là, vous pouvez gagner ça. Croisement, c'est la bougie, là. Ici, croisement. Et la bougie, là, vous pouvez gagner. Même si vous ne gagnez pas cette bougie, la bougie, là,
ça va être votre premier tour. Vous allez perdre ça. Et celui-ci, vous allez gagner. Parce que la tendance est prioritaire. Et vous voyez, non, nous avons déjà tracé la résistance là. Donc, ça a cassé. S'il y a cassure, il y a toujours un pullback. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le pullback. Donc, le marché va essayer de revenir tester. Ça la résistance deviendra support avant de remonter. Donc, comme c'est l'option binaire, des fois, ça ne vient pas retester, mais ça fait un geste. Ça fait au moins un signe de pullback. Donc, c'est ça qui est venu ici. Et le second, c'est ça va venir jusqu'à mort. Il y a cassure. La bougie là a monté. L'autre a cassé. Ça confirme que la tendance va aller à la hausse. Donc, vous devez prendre la position en achat et aussi les deux moyens mobiles là. Ça nous a prouvé ça. Donc, il y a cassure ici. Avec les cas là, vous pouvez prendre votre position. Ici là, c'est flou. Donc, la tendance prioritaire. Donc, ici, moi, je ne traite pas l'action là parce qu'il y a trop de mèches. C'est flou quoi. C'est flou. Vous voyez même les rouges là. La baisse là même. S'il y a trop de mèches. Donc, pas méga. Si tu as pris la position, ce n'est pas bien descendu là. Tu risques de perdre ton capital. Donc, bien sûr que on voit la tendance claire que c'est à la hausse. Après, c'est à la baisse ici. Mais la manière dont les bougies se présentent là, ça ne donne pas le courage de trader. On laisse. OK. Je vais aller en H1. C'est comme ça qu'on fait des analyses. Oh. Donc, comme je suis en train de vous montrer, sinon dans 30 minutes, tu es obligé de voir le marché que tu es prêt à trader et tu te focalises sur ces deux ou bien si ces trois marchés tu as trouvé, tu te focalises sur ça et tu commences le trade. Ici, c'est en H1. Donc, le marché, si c'était ici, là, on allait trader. Si c'était ici, on allait trader. Ici aussi, on allait trader parce que c'est ça. Ici, là, ça commence pas à se déconner. On va essayer de voir un bon marché. Jai, c'est un problème de connexion, ça. OK. Nous allons essayer de travailler avec ce. Support, support, OK. Nous avons le trois supports ici. Hey leader, oui. Quand tu choisis les crypto-monnaies au débat, là, est-ce pour les mettre dans favoris ou bien c'est pour les mettre tous? Quoi? Les paires de devises? Non, au début, quand tu rentres sur la page de trading, là, tu as choisi les crypto-monnaies qui avaient 92%. Là. Oui. Tu les as mis où? Tu les as placés où, je veux dire? C'est un favori. Hein, en favori. Oui, tu coches ça sur cette Ok. Donc, à chaque fois que tu dois trader, chaque fois que tu dois choisir et puis mettre en favori. Oui, c'est ça. Donc, ça va. C'est ce que j'ai mis à favori, c'est ça qui sont en haut ici. Ah, ok. C'est ça ici. Donc, au lieu d'aller tout le temps venir cliquer, non, non, non.
Ça, c'est perdre du temps. Ah, ok. Vous voyez, non. Donc, le marché là, nous allons voir. Ok, on va encore. Il y a plusieurs résistances ici. Hein. On voit tout clair que c'est à la hausse en H1. Le marché est haussier. Maintenant, et M30 aussi. La tendance est haussière. On va aller en M15. M15, M30, c'est la même chose, hein, à peu près. Lui aussi, il va nous confirmer la hausse. M5 maintenant. OK. C'est notre premier support ici qui est devenu résistance. Résistance. Le marché vient tester. Il a fait un pullback. Il a cassé. Il est remonté. Il a fait encore un pullback ici. Vous voyez, non, avant de partir. Donc, il est revenu pour retester ici. Donc, normalement, même sans croisement ici, là, la bougie, là, nous, on peut gagner ça. Parce que quand ça vient retester premièrement, parce que ici, il est en train de partir. Maintenant, il est en train de rebondir. Vous voyez, non? Il est venu pour. Donc, première fois que ça vient toucher ici, ça doit faire un pullback, comme il avait fait ici. Il est venu toucher, il a fait un pullback avant de aller tester, casser. Maintenant, il a cassé, mais arrivé à un moment donné, il a encore fait un pullback avant de partir. Donc, ça vient premièrement, ça doit faire un pullback. Vous voyez, non? Donc, ici, là même, la bougie, là, celui-ci ou bien celui-ci, nous sommes obligés de gagner. Nous sommes obligés de prendre la position sans cassure et sans croisement ici. Maintenant, nous allons attendre le croisement jusqu'à ce qu'il y ait croisement. Maintenant, on peut prendre sur buy. Donc, ça va faire un momentum. Vous voyez, les trois bougies rouges. Ici, on parle du momentum. Ici, deux, là, c'est pas un momentum. On met à partir de trois. Ici, là, c'est momentum. Donc, il y a croisement. Ici, le marché à la hausse. Donc, ici, vous devez miser sur la hausse, l'achat, plus que la vente. Ou ne pas être piégé. Vous voyez, non. Ici, vous allez voir à la hausse les momentum. Donc, ici, par exemple, il y a croisement ici. Donc, vous pouvez gagner le marché là. Ici, ici. Ici, à part ici aussi, il y a un faux croisement. Hein, parce que ça veut monter, mais c'est échoué. C'est le rouge qui voulait monter, mais c'est échoué. Donc, on ne peut pas vendre sur le marché là. Donc, c'est l'achat qui est conseillé. Vous voyez, non. Donc, quelqu'un qui a pris ça là, il n'y a pas ça dans le cours que je vous ai donné. Mais c'est pour cela que la formation en ligne ou bien ces réunions-là sont nécessaires parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer ici. Donc, quelqu'un qui a pris la position ici va gagner ça. Même les gens peuvent gagner le premier, la première bougie et en train de gagner la deuxième. Ça, là aussi, ça doit se clôturer en. Vous voyez, il y a. On va tracer ça, vous allez voir. C'est ça. C'est ça. Il y a une résistance ici. Donc, sur la résistance, ça peut venir. On parle de pullback. Vous voyez, non, ça a cassé. Ça va faire une mèche comme celui-ci. Ou bien ça va remonter avant de descendre. Ou bien ça va continuer par monter d'abord avant de revenir. Vous devez comprendre que le marché est en train de monter. Donc, ici. Il est venu tester la résistance là. Il a fait un pullback. Il a cassé. Maintenant, arrivé à un moment donné. Donc, ici, vous devez prendre la position en achat pour ne pas trop risquer. Même si vous maîtrisez bien le marché, sans croisement, vous voyez le vert en haut, en dessous du rouge. Ça veut dire que la tendance est haussière. On avait vu sur les trois time frames, H1, M1, H1, M15, M30, que c'est à la hausse. Donc, ici, même s'il y a pullback, comme ça là. Et ça veut remonter, vous pouvez gagner la bougie là. Ça là aussi. Et c'est ça là que vous allez laisser. Donc c'est quelque chose comme ça que je voulais vous montrer. Et forcément, vous devez attendre le croisement. Et il va avoir du croisement ici. Et on va encore bouffer ça.
Donc, si vous êtes sur le marché de USDT, USDCHF, là, un peu de patience, vous allez voir. S'il ne fait pas pullback ou casser, mais premier test, là, casser, c'est un peu difficile. Parce que quand on va aller un peu derrière, nous allons voir que le marché. C'était venu à peu près ici. Même, il n'a pas même pas touché la résistance avant de descendre. Il est venu ici, il a testé. Ici, c'est la tendance. C'est à la hausse. Donc, il a testé ici, il est reparti. Donc, il est entre la résistance et le support de tendance. Vous voyez, non? Donc, arrivé ici, il a fait ses gymnastiques avant de casser. Il n'a pas cassé ça directement. Il est allé, revenir un peu, aller. Revenu un peu et il a fait un pullback avant de remonter. Donc, ici aussi, ça vient tester. Ça doit monter un peu, redescendre, monter un peu avant de venir casser s'il veut changer de direction. Ça. Vous voyez, non? Donc, quelqu'un peut gagner. Si tu as pris la position en achat ici, c'est 90% de chances que tu vas gagner la position là. Et on attend le croisement des deux bougies, des deux moyens mobiles, et on prend encore position sur l'achat parce que ça va faire momentum comme il y avait ici. Il y avait ici et ici, s'il veut continuer la tendance. Question. Question. Comment ça va, mais il va falloir que tu fasses une vidéo pour nous montrer exactement comment faire, comment tracer le support de résistance et puis l'autre pas. Pour que ça puisse vraiment nous aider, quoi. Parce que moi, je ne maîtrise pas vraiment comment faire le traçage là. Ah. Pour tracer le support et la résistance, c'est très simple. Pour la résistance, allô? Allô? Lionel. OK, pour la résistance, ce sont les points du sommet, les points du plus haut. C'est ça qu'on appelle la résistance. Et les points du plus bas, c'est ça qu'on appelle le support. Donc, en H1, c'est clair, ici, là. On va aller en H1. Vous voyez comment il y a un momentum ici. En H1. J'ai vu ça, mais j'ai seulement tracé la ligne de tendance pour voir la tendance du marché. Vous voyez, non? Je n'ai pas tracé support-résistance ici. Parce que ici, là, la manière dont ça se présente, ça donne une direction et c'est à la hausse. C'est différent. Mais pour tracer le support, je ne peux pas prendre les lignes ici pour tracer. Il y a aussi, ici, ce sont les lignes de tendance. Je peux encore prendre ligne de tendance ici et je viens aligner comme ça du plus haut et du plus bas ici. Ça a touché le point là. Ça a touché ce point. Ça a touché ici. Ça a touché ce point. Déjà à deux points, à trois points, ça veut dire que tu as touché la ligne de ici, c'est la résistance et ici, c'est la tendance. Mais c'est la tendance haussière. Ce que nous pouvons chercher ici, soit le retournement ou bien la continuation. Donc, la ligne là, nous, on n'a pas besoin de ça. On peut supprimer ça. On peut supprimer ça. C'est celui-ci là, c'est cette ligne qui est tellement nécessaire pour nous. Parce que lorsque ça va casser cette ligne, lorsque la bougie là va revenir casser la ligne là, ça va faire un pullback et redescendre. Donc, ça veut dire qu'il y a changement de direction. Donc, celui-ci est très primordial, plus que le second qui serait en haut. Maintenant, pourquoi j'ai ici, là, vous voyez, c'est la résistance. Le plus haut, le plus haut, le plus haut, ça fait trois points. Donc, c'est la résistance. Alors que c'est support ici, parce que le marché est venu rebondir sur ça, il est reparti et retourné avant de casser.
Donc, c'était support. Maintenant, il a cassé, il est revenu, il a créé un autre support en bas. Maintenant, il veut monter, arriver ici, il n'a plus monté. Donc, il est encore revenu en bas. Donc, ça devient résistance. Donc, la ligne de support est revenue de résistance à ce niveau. Et vous voyez, celui-ci, il n'a pas pu casser. Celle-ci aussi. Donc, ici, les plus hauts, ça, ce sont les points les plus hauts. 1, 1, 2, 3. Donc, c'est la résistance. Vous voyez, les plus bas. 1, 2, 3. Déjà, 3,3 creux comme ça, là. Ça veut dire que le marché n'a pas encore cassé. Il est venu ici. Il a voulu casser, mais il est encore reparti. Il est remonté. Donc, ça devient support. Donc, ce sont des exercices que vous-même, vous allez faire. C'est la grande partie. Une fois vous arrivez à maîtriser comment tracer les lignes de support et de résistance, plus les lignes de tendance, c'est fini. Et vous devez savoir, même sans les moyens mobiles, vous allez vous voyez en bas ici, non? En H1, il y a support ici. Le marché est venu en bas et il veut remonter. Il y a croisement. Il y a croisement. Et quand le marché est en bas, est sur le support ici, je ne peux plus vendre. J'attends seulement l'achat. Mais s'il y a quelque chose qui tourne mal ici, toi, tu sais que le marché est sur le support. Donc, tu attends l'achat. Ou bien, il y a cassure. S'il y a cassure, tu ne peux pas vendre. Tu attends un pullback d'abord. Et lorsque le pullback termine, le marché va redescendre. C'est en ce moment que tu vas vendre. Sinon, la probabilité ici, le marché n'a pas encore cassé le support là. Donc, je m'apprête pour acheter, ni pour vendre. Pour vendre à ce niveau, je dois attendre. La cassure, c'est première option. Et deuxième option, c'est le pullback. Et tout ça là, ça va t'aider. Quand tu maîtrises, même si le moyen mobile te trompe quelque part, tu vas essayer de te patienter et voir la position avant de prendre ton trade. Sinon, tu vas voir que c'est cassé, il y a croisement et tu prends position, ce n'est pas ça. Tu risques de perdre ton capital ou bien tu vas diminuer tout. Donc, c'est ça. Ligne de support et résistance est tellement nécessaire. Ici, là, celui qui a bien tracé comme je l'ai fait, il va gagner les croisements là. Il va gagner les croisements. Ces croisements là, il va gagner. C'est trop clair ici. Bien sûr que c'est en range. C'est en range, mais ça suit bien la stratégie. Support ici, c'est revenu résistance, 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 ici support, 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 et on voit les croisements. Il y a croisement ici, il y a croisement ici. Déjà, à ce niveau-là, il y a croisement. Ça veut dire que le marché va descendre. Tu es sûr que c'est sur résistance. Ça n'a pas cassé, il n'y a pas un pullback. Donc, tu attends seulement à vendre. Et il y a cassure ici, tu vends. Mais si tu n'as pas tracé les supports et résistances, tu ne peux pas savoir réellement la confirmation. Tu ne peux pas avoir la confirmation. Tu vois seulement croisement. Tu rentres sur le marché. Vraiment, tu vas perdre ton argent. Donc, commencez avec dans H1 d'abord. Dans H1, ça se fait voir. Ça, vous allez bien voir les choses là-bas. Après H1, M30, M15, M10. Maintenant, les M5, vous voyez ce qu'on vient de tracer ici. Lorsqu'on va aller à M5, ça serait trop compliqué. Ça serait trop compliqué. Vous voyez, non? Ça serait trop compliqué. Trop compliqué. Mais c'est ça. Tu peux prendre ta position. Parce que, je vous ai dit, c'est la résistance qui est nécessaire ici. Donc, ça touche, ça revient. Tu apprêtes parce que la tendance est à la hausse. Ce n'est pas la baisse. Donc, on ne vend pas, mais on cherche toujours l'achat. Une fois, ça tend vers la résistance, c'est remonté, le rouge vient et il y a croisement ici. Tu peux prendre ta position parce que après le croisement, ça là, tu vois la bougie là, ou bien cette bougie, tu peux gagner. Les deux bougies, tu peux gagner. Et ici aussi, je suis sûr que tu peux gagner. C'est pour ça que tu ne peux pas miser la totalité de ton capital. Si tu suis bien les instructions que nous envoyons ici dans le groupe, peut-être cassure. Il y a bougie verte, tu as raté ça. Deuxième bougie rouge, tu as perdu. Troisième rouge, tu prends vert, ça va marcher. Quoi. Ça ne peut pas descendre, ça va marcher. Parce que la tendance est haussière. Donc, tu as la probabilité de gagner. Ici, croisement, vous voyez, non?
il y a croisement. Regardez le momentum, tu vas gagner ça. Ici aussi, il y a croisement. Croisement là n'est pas justifié. Donc déjà à partir d'ici, tu vois que le marché est en range. Donc tu laisses le marché tranquillement parce qu'il n'y a pas écart, assez d'écart ici pour prendre la position sur achat. Donc c'est ça. Support, résistance, c'est très, très, très nécessaire. Peu importe les trades. Vous voyez, non? Ce que je vous ai montré, c'est le momentum. Donc, je vous ai dit que vous pouvez gagner la bougie là. Et c'est ça. Troisième bougie, c'est ça. Nous avons notre résistance ici. Donc, je suis sûr que ça là, ça peut se clôturer en rouge ou bien en vert, mais ça va monter un peu avant de redescendre pour tester encore notre support. Vous voyez, ici, c'est résistance. C'est devenu support à ce niveau. Maintenant, le marché est revenu encore tester notre support et il est encore reparti. Il est en train de partir. Donc, déjà, toi, tu vas gagner la bougie là, cette bougie, et tu entends seulement le croisement pour gagner troisième confirmation. Donc, c'est tout. Quand tu traces bien la ligne, les deux traits, support et résistance, vraiment, les moyens mobiles vont t'aider seulement à rentrer sur le marché. Tu ne vas pas t'appuyer même à 50% sur les deux moyens mobiles. Ce sont les supports et les résistances qui vont t'aider le plus. Merci. Et maintenant que je viens de faire bien mon analyse et que j'ai gagné mon premier trade là, je suis sûr que, ce que j'ai fait, c'est vérifié. C'est en ce moment que je vais aller sur mon réel pour essayer de trader la partie là. Si tu n'as pas gagné, parce que arrivé à ce niveau là, tu peux prendre la position ici sur achat, mais ça peut redescendre encore. Ça veut dire que le marché ne respecte pas ton plan ou bien ta stratégie. Tu es obligé de rester calme, chercher encore des opportunités qui respectent ta stratégie avant d'aller sur le compte réel. Donc, aujourd'hui, on a vu l'annonce économique et comment étudier le marché, voir la tendance et les lignes de support, résistance avant de rentrer sur le marché. Donc ici, c'est très nécessaire. Vous devez maîtriser le momentum et la réaction des bougies sur les supports, au niveau des supports et au niveau des résistances aussi. Ça va vous aider beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a encore une question? Sinon, je vais faire la vidéo, comme vous l'avez dit. Je vais encore faire une vidéo pour vous montrer comment tracer les supports et les résistances. Question? Oui, allô? Oui. Oui. Et comment on fait le rapprochement entre les supports et puis les croisements? Parce que je n'ai pas bien compris là-bas. Ah. Par exemple, à ce niveau-là, en M5, ça. Donc, c'est le marché, ça. Je vous ai dit que en M5, nous, on a besoin seulement parce que la tendance, c'est haussière. On avait vu en H1, en M15, en M30 aussi. Donc, c'est la première ligne, là, qui est tellement indispensable pour nous ici. Donc, vous voyez, ça devient support de tendance. Et quand nous voyons, on va retourner en H1. C'est ça. Support et résistance. C'est un peu décalé. Hein? Ça doit être quelque part ici. Support et résistance. Vous voyez, lorsque le marché est venu retester le support, ça n'a pas cassé. Il veut remonter. Il y a croisement des deux moyens mobiles. Et le vert tend vers le haut et le rouge, le sens contraire. Et vous voyez la bougie. Donc, ça tend vers la résistance. Donc, ici, la confirmation, c'est achat. La même chose à ce niveau. Ici, là. Le marché, ici, c'est le point du plus latent.
C'est mon premier sommet, ça. Et le plus bas, c'est quelque part ici. Deuxième sommet. C'est quelque part là-bas. Le plus bas, c'est ici. Leader, en Oui. fait, tu traces tellement de traits que nous, on ne se retrouve pas. Tu peux tracer les deux sommets, le support et puis la résistance. Tu vois, ça te fait rire. Parce qu'il y a tellement de traits, je ne sais même pas où est le support, où est la résistance. Il faut effacer les traits les plus, et puis tu vas tracer les deux, nous, on va bien voir. Vous voyez, sur un marché, il y a plusieurs supports et plusieurs résistances. Ça dépend de l'évolution du marché. OK, nous allons essayer de voir la partie là seule. Ici, là, par exemple, notre ligne de tendance est ça. C'est ça, notre ligne de tendance. Maintenant, pour tracer son second, c'est en haut. Ça va toucher le point là. Et ça va toucher aussi le point là. Pour le moment, c'est ça. Donc, oui, c'est le marché. Si, lorsque on voit même à l'œil vu, on voit que la tendance est haussière. On va aller en M5 parce que c'est de là que nous allons trader. Vous voyez, donc en M5, ce que j'ai tracé, c'est ça. Mon truc là, ça ne vérifie pas. Donc, en H1, c'est ça. Donc, c'est support en bas et résistance en haut. Donc, si ça vient toucher le support, j'attends pour acheter. Si ça vient toucher résistance, j'attends pour vendre. Et il devait avoir la confirmation aussi à ce niveau. Vous voyez, non, il y a croisement. Mais où tu es en USDT là? Passons, Yes. c'est Israël. Est-ce que c'est conseillé de trader quand c'est comme ça? Quoi? C'est USD. C'est USD, Oui. dollar américain. Oui. CHF. En USD là, Oui. passons, les leaders sont là. Est-ce que c'est conseillé de trader quand c'est comme ça? Ça là. Hein? Eh oui, c'est bon, parce que la tendance est haussière.
C'est ce que je vous ai dit hier. La tendance est haussière. Donc, ici, nous allons conserver seulement l'achat et non la vente. Vous voyez, non? Et j'attends que ça vienne tester le support. Le marché vient tester le support et j'attends pour... Ça vient tester le support et maintenant j'attends la confirmation des deux moyens mobiles pour prendre mon achat. Parce que ça va aller à la hausse. Pourquoi j'ai tracé encore l'autre résistance? Parce que la montée là, ça ne doit pas monter éternellement. Ça doit faire une correction, bien ça va retourner. Il y a changement de tendance. Donc, je dois chercher la résistance. Allô? Oui, oui. Je dois tester, je dois chercher la résistance qui est supérieure en haut. Donc, c'est pour cela que j'ai essayé de réduire ou bien je suis allé au time frame supérieur pour voir là où ça va s'arrêter. Donc, je suis allé en H4 pour tracer la résistance qui est en haut, là où il veut s'arrêter là. Donc, c'est forcément quelque part ici, vous voyez, c'est la résistance du haut ça. Donc, je viens tracer ça encore. Je viens tracer quelque part ici. Je peux encore aller à 2-1. Ça veut dire que dans le temps précédent, dans le temps passé, le marché est encore allé. Donc, ici, là, ce n'est pas au hasard. Ça veut arriver quelque part ici. Donc, j'ai tracé la résistance en D1 ici. Donc, et comment je vais faire? Je vois que la montée là peut venir s'arrêter ici avant de redescendre. Donc, en D1, j'ai vu ça. En H4 aussi, j'ai vu la confirmation. Maintenant, je me positionne seulement sur l'achat parce qu'il n'y a pas encore une confirmation de retournement. Donc, ça là, c'est la correction. Donc, ça va encore remonter. Donc, je cherche la confirmation pour prendre ma position en achat. Donc, c'est ça. La résistance côté support, tu cherches l'achat et si le marché arrive à la résistance, tu cherches la vente. Donc, ici, si un trader n'est pas un peu professionnel, pas expérimenté, il va chercher seulement l'achat sur les supports, pas chercher la vente sur les résistances. Parce que ça peut casser aussi la résistance et monter, alors que pour casser le support, ça doit être un retournement de tendance. Donc, c'est ça. Vous voyez ici, non? Quand il y a cassure, mais ici, là, ce n'est pas cassure, ça. C'est un pullback. Il y a cassure, c'est retest. Ça vient retester, c'est remonté, il y a cassé quelque part ici. Donc, je peux prendre l'achat, les deux bougies là, je vais gagner une d'entre eux. Actuellement, il y a croisement, hein. Donc on prend quoi? Il y a achat croisement. Bien... Oui, où tu y as? Oui, il y a croisement, mais il faut attendre la fin de la bougie là d'abord. Il faut attendre la fin de la bougie là. Oui, vous devez patienter un peu. Quand ça finit, donc vous pouvez prendre maintenant l'achat. Parce que ici, là, c'est piège. Okay. Vous voyez, non? Parce que ça peut toujours redescendre avant de remonter. Donc, vous attendez un peu la clôture de cette bougie-là. Et si c'est en vert, maintenant, vous pouvez prendre votre position sur l'achat. Oh, grand leader Raoul, est-ce que j'avais répondu à votre question quand même? Allô, leader Raoul. Merci, Vera. Je n'ai pas parlé. Qu'est-ce que tu as déplacé? Non, au fur et à mesure, ça va, ça va aller. Qu'est-ce que tu as déplacé? Ah, oh, ça va aller. Ça va aller. Donc, on attend la clôture pour prendre la position en achat.
Il y a plus de questions. Il y a plus de questions. Au moment, ça va. Hein? Ah, donc maintenant, à partir de demain, là, vous allez même tripler votre compte, ça. Ou bien? Ouais, si Dieu fait grâce, je pense que ça va aller. On va tripler les comptes. Ok. Ok. Mais demain, tu vas envoyer les signaux, non? Demain, oui, demain, pas aujourd'hui. Demain. Non, aujourd'hui, c'est pas possible. Demain. Oui, demain. Hello. Ok. Donc, s'il y a plus de questions, on peut dire au revoir alors. Donc, on attend demain. Sinon, la confirmation, là, ça va marcher. Hein. Ce que nous avions pris comme trade, ça va aller à la hausse. Donc, vous pouvez vérifier ça chez vous. Donc, ça descend, ça monte, ça descend, ça va monter. Parce qu'il y a croisement, c'est confirmé. Même si ça ne monte pas, la deuxième bougie va monter. Donc, quelqu'un qui prend ça en achat, ça ne marche pas. Deuxième, ça va aller à la hausse. Donc, c'est ça. C'est très simple. Au fur et à mesure que vous allez commencer par travailler seul, vous allez encore maîtriser, avoir des stratégies qui vont vous permettre d'être rentable sur le marché. Donc, vous voyez, non, tantôt vert, tantôt rouge, tantôt vert, tantôt rouge. Ça va finir par être vert parce qu'on a pris la position avec des confirmations. Donc, merci à vous tous. Et je sais que c'est le début, ça va aller. Dès que vous allez commencer par tripler le capital en une semaine, c'est seulement que les gens vont savoir qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre groupe VIP. Merci.